este amor pareciera así, donde nadie buscaba. No lo vi, sin querer llegó, se coló hasta aquí, abriéndome el alma. No me dio ni tiempo de alertarme y caí en las manos del destino, y su conspiración fue quien te acercó. J'ai appris la leçon. Oui, et de la façon la plus douloureuse. Et enfin, j'ai compris que j'avais mal agi. Tu n'as pas idée de ce que j'ai souffert. Et maintenant, je suis prisonnière de ce fauteuil roulant jusqu'à la fin de mes jours. Mais tu sais quoi? Peu m'importe. Le fauteuil, le passé ou les larmes, si j'ai ta tendresse et ton pardon. Avec ton amour, je vais dépasser tout cela. Et pouvoir vivre ma vie avec un peu de décence. Et de dignité, même si le bonheur, ce n'est pas pour moi.
Non. Non. Prenez, s'il vous plaît. Prenez ça. Fais attention! C'est un dindin! Un dindin, non! Non! S'il vous plaît, ma mère, non! Reculez mes pas, faites attention, s'il vous plaît! Mon frère! Tenez bon, ma reine. Ne fermez pas les yeux. Ne me laissez pas, s'il vous plaît. Ne me faites pas ça. Carlos. On va arriver à l'hôpital. S'il vous plaît, résistez. Tu dois t'en occuper. Je laisse mon petit entre tes mains. Non, ma reine, non. Promets-le-moi. Je vous le promets. Mon petit Carlos. Fais attention à cet homme. Il est mauvais. Sors de ma maison. Ça ne va pas, pourquoi la frapper? Vas-y qu'on traite les imposteurs avec une main de fer. Non, papa, non. Arrête ton cinéma, je ne te connais pas. Papa, je suis ta fille, je suis Amélia. Non, ma fille Amélia est une fille saine, forte, belle. Et vous, vous n'êtes qu'une femme dégâtie, paralytique, qui s'est imaginé pouvoir tromper un vieux comme moi. Avec vos fantaisies, vous êtes une personne sans cœur. Non, non, c'est vous qui n'avez pas de cœur. Comment pouvez-vous traiter ainsi votre fille? Ce n'est pas ma fille. Si, bien sûr que c'est votre fille. Elle a eu un accident et c'est pour ça qu'elle est dans ce fauteuil roulant. Et ce n'est plus une petite fille. Cela fait 20 ans qu'elle s'est transformée en une femme aigrie envers la vie et envers ceux qui l'aiment. Tout ça à cause de votre mépris. C'est vous qui en avez fait ce qu'elle est. Et toi, qui es-tu? Sa complice? Une opportuniste qui est venue me prendre mon argent aussi. Papa, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'en prie, pour tout le mal que je t'ai fait. Allez, arrête de pleurnicher. Tes larmes ne vont pas m'émouvoir. Au contraire, elles me mettent encore plus en colère. Papa, je t'en prie. Sors de ma maison. Dehors! Dehors! Très jeune, ma fille, va-t'en! Papa, s'il te plaît, arrête! Ici, Fernanda. Réveille-toi! Arrête de dire des bêtises, papa! Ton destin est avec moi! Allez, viens, on s'en va! On s'en va! Fernanda! Fernanda! Viens! Venez, ma mère! Les pompiers arrivent! Ici, s'il vous plaît, Fernanda. Fernanda, attention. Courez, mademoiselle. Fernanda. Éloignez-vous. Fernanda. Courez. Ah, ma fille. Thank you.
S'il te plaît, tu dois te souvenir de moi. Ne m'appelle plus jamais, papa. Et vous, ne vous avisez pas de la toucher. Et toi, arrête de supplier un homme qui manifestement ne veut rien savoir de toi. C'est mon père, Loupé. Comment cet homme pourrait être ton père? C'est un inconnu. Papa, je t'en supplie, ne dis pas ça. Papa, s'il te plaît, allons-y, Amélia, allons-y. Non! Il ne me reste plus rien. Où est-ce que je vais aller? Chez moi. Ou alors chez toi, peu importe. Mais c'est évident que ce monsieur ne t'aime pas et qu'il est encore moins père que quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Papa, si tu n'allais pas me pardonner, pourquoi cette invention? Pourquoi ce mensonge? Pourquoi, si tu voulais te venger de moi, alors quoi? Tu as réussi, non? Tu as réussi à tuer le peu qui restait de bon en moi. Alors je te félicite. Tu as réussi à détruire ma vie, j'espère que t'en es fier. Dehors. 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 Oh, nous partons, grossier personnage. Allons-y, Amélia. Dehors. Ah, cet imposteur pensait qu'elle allait me tromper, mais non, non, monsieur. Peut-être qu'elle ressemble à Amélia, mais je connais ma fille. Cette femme ne possède pas la joie de ma petite Amélia. Imposteur! Je ne peux pas croire que mon père m'ait fait ça. Qu'il m'ait renié. Ne pense plus à ça. C'est la dernière chose que je puisse faire. Il a exécuté sa vengeance. C'est sa façon de me montrer que malgré les années, il ne m'a pas pardonné. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Je ne peux pas louper. Il va continuer à se venger de moi. Que fait Amélia ici? Je pensais qu'elle était avec le jardinier. Je me disais qu'à cette heure-ci, elle serait morte. Amélia! Amélia! Qu'est-ce que tu fais ici? Réponds-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Désirez un café, docteur? Vous avez l'air fatigué. Merci, Graciela. Ce n'est pas vraiment de la fatigue que je ressens. Vous êtes de nouveau triste à cause de Fernanda? Enfin, triste pour Fernanda, ou je ne sais pour qui, mais... Je ne sais pas, je ressens une douleur dans la poitrine. Comme une épine enfoncée, je ne sais pas. Je peux pas te le décrire. On appelle ça un pressentiment, docteur. Mais vous ne croyez pas à ces choses-là? Bien sûr que non, j'ai l'esprit scientifique. D'accord, mais les hommes de science aussi ont des pressentiments. Ou des épines, si vous préférez les appeler comme ça. Qu'a-t-on au programme aujourd'hui? Madame Ruiz est en train de vous attendre. Dites-lui de passer, s'il vous plaît. Oui, docteur. Allez-y. Vous voyez bien que nous sommes venus voir son père. Je ne vous ai rien demandé, qui que vous soyez. Je suis venue voir mon père. Mais il m'a jeté comme un chien. Pire qu'un chien. Mais je pensais qu'à l'heure qu'il est, tu serais avec le jardinier. Et que ferais-je là-bas? Je n'ai plus rien à y faire. Pedro et ma fille ne vont jamais me pardonner tout le mal que je leur ai fait. Mais ce n'est pas grave, tu dois être là-bas. Écoutez, madame, c'est évident qu'elle n'est pas là-bas. Mon père s'est moqué de moi, Mariana. Il m'a utilisée pour assouvir sa vengeance et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Tu es ma sœur, dis-moi quoi faire, je n'ai plus rien au monde à part toi. Je t'en prie, dis-moi quoi faire, Mariana. La seule chose que tu puisses faire maintenant, c'est partir. T'en aller pour toujours et ne jamais revenir. Docteur Gomez-Ruiz? Docteur Gomez-Ruiz, on vous demande aux urgences. Docteur Gomez-Ruiz. Je reviens tout de suite. Docteur, que se passe-t-il? C'est une dame d'un certain âge. Oui, je vois, mais elle n'a pas de nom. La jeune fille qui l'a amenée était très affectée, elle n'a rien pu dire. Ce qui était bien clairement spécifié, c'est qu'il fallait qu'elle soit amenée dans cet hôpital et que cela soit toi qui la prenne en charge. Ah, cela doit être une de mes patientes. Oui, je pense. Je t'en prie. Rosario. Nounou. Ma nounou.
maintenant. Je te jure que je vais parler à mon père, que je vais le convaincre. Mais pour l'heure, tu dois partir et tu dois partir loin. Mais pourquoi loin? Votre sœur n'est pas une délinquante. Je ne sais pas où elle est, Mariana. Alors pour l'instant, c'est mieux que tu retournes chez toi, c'est ta vie. Je ne peux pas. Pourquoi? Pedro et ma fille sont morts pour moi, tu peux pas comprendre ça. Et toi, tu ne peux pas comprendre que tu es morte pour mon papa? Mais ce n'est pas juste. Ah, écoute-toi parler, Amelia. Tu crois que c'est juste que Pedro et ta fille soient morts à tes yeux, dis-moi. Ça, c'est différent. Ah oui? Différent de quoi? Allez, explique-moi, parce que je ne comprends pas, je ne vois pas. J'en ai marre, ça suffit, Lupe. Écoute, mon ami, tu récoltes ce que tu as semé, pas vrai? Au moins maintenant, tu devrais enfin comprendre ce que ressent ta fille et le seul homme qui t'ait jamais aimé dans cette vie. Graciela, apporte-moi les seringues d'épinéphrine et d'atropine, s'il te plaît. Nono. Ma nono. Graciela, s'il te plaît, les seringues. Branche-les, s'il te plaît. Fais-lui l'injection, je t'en prie. Et vous, vous vous mêlez toujours de tout. Ah. Ouvre les yeux, Amelia. Ton papa, c'est ta famille, et il ne t'aime pas. Ta fille, oui, elle t'a aimée, telle que tu es. Et Pedro, ah, ce pauvre malheureux, n'a fait que te vénérer toute la vie. Il n'a fait que t'aimer. Il n'a fait que t'aimer, mon ami, sans que tu lui donnes rien en retour. Tu vois là, je trouve que si, il y a une différence. Hein. Écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez. La seule chose que je sais, c'est que mon père est très malade. Et en ce moment, permettre que tu restes avec nous serait comme accélérer sa mort. Et moi, la seule chose que je dis, c'est que tu n'es qu'une ingrate, mon ami, envers ceux qui ne t'ont jamais tourné le dos. Graciela, injecte-lui l'épinéphrine et de la trompine. C'est pas possible. C'est pas possible. Carlos, calme-toi. Tu dois te détendre, s'il te plaît. Tu veux bien? Elle fait un arrêt cardiaque, docteur. Son cœur s'est arrêté. Nounou, son cœur s'est arrêté, docteur. Calme-toi. Padouze. Calme. Padouze. Calme-toi, Carlos. Son cœur s'est arrêté. Du calme, du calme. Appelez le docteur Gonzalez. Padouze. Je m'en occupe. Son cœur s'est arrêté, docteur. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel châtiment. Pour mon père, il est très clair que ce que tu as mal fait, c'est te donner à l'homme qui ne te convenait pas. C'est trop de douleur. Ce que j'ai fait ne mérite pas tant. Non, non. Eh bien, demande donc à Pedro. Et lui, qu'a-t-il fait, hormis beaucoup de bien, pour mériter toute cette souffrance et cette douleur que tu lui causes? Tu vois, je ne peux vraiment qu'être d'accord avec elle. Amelia, tu as toujours fait du mal aux personnes qui t'ont aimée. Mais bon, ce n'est pas vraiment le bon moment pour en parler. Allez, allez, dites-moi une chose, madame. Allez, dites-moi s'il existe en ce monde une seule personne qui puisse croire ce visage d'hypocrite que vous avez. Écoutez, j'en ai assez de votre insolence. Je vais pas vous permettre. C'est ma sœur, respecte-la. S'il te plaît, Amelia, va-t'en. Je vais aller parler à papa, ne t'inquiète pas. Mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Tu as entendu, Amelia? Tu ne peux plus continuer à ramper et à supplier ces gens qui manifestement ne veulent pas de toi dans leur vie. Amelia! Ma petite Amelia! Ma petite Amelia! Tu es enfin revenue à ton foyer, à ta maison. Oh, ma petite chérie. Que t'est-il arrivé, ma chérie? C'est bon que tu sois ici. C'est bon que tu sois ici. Oh, ma chérie. Nono, je vais pas m'en aller, docteur. Nono, je ne veux pas m'en aller. Je veux pas la laisser seule. Je ne veux pas la laisser seule, docteur. Nono. Allons, sors-le. Sors-le. Nono. Sors-le. 160. Dégagez. Elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas. Elle ne répond pas. On charge à 300. Faites quelque chose, docteur.